Bon, c'est bien les gars, vous voulez jouer la carte de la du sentiment, tout ça, machin, mais dans ces cas-là, vous le mettez sur une vous le mettez sur un solo quoi. Vous le mettez pas un truc aussi long sur un début comme ça, c'est trop gros les gars. Allez, laissez-nous jouer. Battlefield 5. Merci, bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur Battlefield 5. On va démarrer le jeu après avoir eu allez, 20 bonnes minutes de comment dirais-je 20 bonnes minutes on va dire d'essai un petit peu solo où on te met deux trois petites escarmouches à droite à gauche scénarisées, scriptées pour que tu découvres un petit peu le ton du jeu. Bon, alors un ton de jeu qui a l'air de vouloir être un petit peu larmoyant, un petit peu effectivement sur du sentimentalisme, voire même de bons gros sentiments, dont on se fout là tout de suite, maintenant les gars. On n'est pas à la sortie du jeu, on est sur des avant-premières, on est sur des trucs où on peut... Bienvenue dans Battlefield 5, pas sur l'activité, voilà. On est sur du Origin Access où on a envie... On a envie de faire quoi? Eh ben c'est simple, on a envie de jouer. On a envie de se lancer sur certainement pas un récit de guerre, mais sur du bon gros multi. On veut se lancer sur de la conquête. On veut jouer. Voilà, c'est ça Conquête. qu'on veut. Le mec, Combat qu'est-ce que c'est que la conquête conquête? consiste Non. à capturer. Quand même. Le mec va quand même pas m'expliquer ce que c'est qu'un niveau, ce que c'est qu'un mode de jeu conquête. Il faudrait quand même pas trop déconner dans l'idée, hein. Parce que franchement, voilà. Je voudrais quand même regarder un truc s'il n'y a pas. Alors, capturer, garder les drapeaux. Ouais, ok. Défi quotidien, tir sur cible. J'ai pas eu le temps de voir. Alors, on a l'espèce d'assaut, on a le médic, on a ça, on a des gens? Ouais, on a des gens, et des gens qui sont déjà niveau 14, quoi, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et qu'est-ce que je fais au sniper, moi? Ah merde, avec T, j'ai le marteau aussi. Ah, oh, j'ai déjà des problèmes de... Ok. Donc là, ils nous la font un petit peu en mode réaliste, en mode, tiens, si tu veux... F... Ah putain... Ok, ça commence. Pourtant, je les avais réglés, mes commandes. Alors... Soldat. Interagir avec F, oui. Par contre, tu seras gentil. Voilà, ça, tu me le dégages. Clac, ça, tu me le dégages aussi. T'es la boîte à outils. D'accord, donc la boîte à outils. La boîte à outs! La boîte à outs. La boîte à outs, je suis pas un fou de G. Ouais, vas-y, je m'en fous. Parce que j'ai, en fait, celle-là, je vais la désassigner. Clac. Il y a un truc, par contre, pour s'allonger, j'ai pas fait gaffe. Sprinter, regardez. On peut pas s'allonger. On peut pas s'allonger. Sauter, franchir, avec ton matériel, puisqu'un deuxième, si tu mets une team, déjeuner, charger la machine, flou ballon, grenade, stabiliser, viser, s'accroupir, s'allonger. Ah, merci. Donc oui, effectivement, W. Autant pour moi. Autant pour moi, autant pour moi, autant pour moi. Voilà. Voilà, donc je suis revenu comme un con en snipeuse, alors que je suis pas du tout bon en snipeuse. Ok, donc effectivement, quand on enlève façon, effectivement, Rising Storm, on enlève le truc, on subit une perte. Comment on se donne des ordres là-dedans? Eh oui, la map, je suis où moi? Il y a du B là-bas. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'on peut défendre C. Alors allons-y, allons défendre C. Putain, ce blanc là, il pique aux yeux. On est deux dans les squads, ça fait pas beaucoup ça. Je ne vois pas les gens. Oh, ok. Alors, ça c'est fait, c'est réglé. Maintenant, pour passer la réanimation, voilà. On va se laisser mourir. Alors moi, un truc que je veux absolument voir, c'est comment se passent les réanimations, justement. Donc, c'est pour ça qu'on va reprendre du médic aussi, parce que j'ai pas le choix. Donc, pour l'instant, on laisse tel que. Je voudrais voir ce qu'il y a au niveau des escouades. Parce que là, à deux, on va pas faire long feu. On en est 3, 3 sur 4. Voilà, donc ça déjà,
Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'ai détesté dans la bêta. Et ils refont la même connerie. Par défaut, les escouades sont fermées. Alors, vous voyez, la désirée, là, concrètement, là, si je veux la rejoindre, je ne peux pas. Je ne peux pas rejoindre parce que par défaut, en fait, il va vous générer une espèce d'escouade. Vous voyez, en bas à droite, là. Il va vous générer une escouade au moment où vous allez charger. Et il va considérer que vous êtes plus ou moins entre une bande de potes. Et il va verrouiller l'escouade. Alors, si j'étais une bande de potes, oui, effectivement, par défaut, je verrouillerais mon escouade. Là, ça me fait chier parce que j'ai pas une bande de potes. Je viens de lancer une partie complètement random au hasard. Et bah ça m'emmerde, parce que du coup, si moi je veux switcher de trucs pour pouvoir me retrouver avec une escouade où on a plus de monde, on a plus de chances de gagner, de travailler en équipe, etc., sachant que c'est un jeu justement qui te demande de travailler en équipe, bah là t'es baisé. Voilà, donc ça c'est déjà un truc, pour moi c'est un énorme défaut de matchmaking, et c'est ridicule, c'est ridicule. Tu peux pas demander à tes joueurs de vouloir jouer en équipe si tu les empêches de jouer en équipe. Voilà, bon, bref. Hop là, ça c'est fait. J'ai des copains ou il n'y a que des... Non, il n'y a que des méchants là. Allons-y. Ça dit, il y a des avions là. Mais comment ils ne sont pas réglés? On est en train de perdre B, alors go B. Hop. C'est parti mon kiki. Alors déjà j'ai un collègue ici, je vais pouvoir voir du coup tout de suite. Oh, fout ma gueule lui? Wow! Assistance vomination, merci. Mais viens m'aider, petit cake. Viens m'aider. Ça t'arrive dessus en plus, donc tu vas crever. Alors, tant pis pour toi, crève. Alors, B, on va y retourner tant qu'à faire, parce que visiblement ça nous arrive sur le coin de la gueule, méchamment. Il y a un mec là. Donc il en a fallu ou c'est moi? On va essayer de reste le monsieur là. Qui shoot sur quoi et comment là? Et merde, il y avait un mec à côté. On va enlever ça, ça rien, on va se laisser mourir. Bon, j'ai pas eu le temps du coup de, de checker si on peut sauver les copains ou pas quoi. Allons-y. Ça va déjà peut-être pouvoir essayer. Oh putain! Oh putain! Ah merde! Ah merde! Ah copain! Vive-moi donc! Merci camarade! Qu'est-ce qui se passe? Je suis mort? Blessure fatale. Blessure fatale! Vient le temps des regrets! Ok, donc on a perdu ça. On est en train de perdre D en plus, tout va bien. Bateau cool normalement. D. Il est où D? Il est là D. Est-ce que je peux filer? Ouf putain c'était just. Comment je me heal? Visiblement j'ai healé assez rapidement du monde là. Attends vas-y viens. Ah ça m'a l'air mieux. Je suis pas. J'ai pas spawné devant comme salement comme un truc à la con là. C'est une grenade. Hop, ça c'est fait. Il y en a d'autres là. Hop, en voilà d'autres. Paf. Merde. Ah, si j'arrête de bouger, forcément. Ah, mais surtout qu'en plus c'était à côté de moi. Bon, ok. Bon, par contre, voilà. Donc, en dehors effectivement de cette horribilitude qui était la gestion de l'escouade. En bêta, on avait des gros problèmes sur le heal. Tu viens de foutre en. Comment dirais-je en... T'as le mec est mort comme ça. Tu viens te mettre là. Et ben en fait, automatiquement, pouf, tu switchais comme ça. Et tu venais le healer. Donc ça veut dire que si le mec était moitié à couvert, tu te foutais à découvert pour pouvoir le healer. Donc en fait, personne te healait. Là, visiblement, on est quand même resté. Je suis quand même resté relativement bien positionné. Putain. Oh merde. Là, visiblement, effectivement, pour pouvoir. Au moment où j'ai healé le premier bonhomme, visiblement, je suis quand même resté bien dans mon axe. Donc ça, ok, on est bien, ça c'est cool. On est en train de perdre C, là, faudrait revenir dessus vite, 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 vite. Comment je remonte là? Par là peut-être? Putain, c'est la merde. Célestin, il est là. Alors, on va essayer de faire un truc propre. Ah.
Hop là, il est mort. Lui aussi, hop. Je sais pas s'il en reste d'autres. Il doit en rester d'autres, du bruit. Hop, ça fait 3. Salopé. Merde. On va lâcher, de toute façon, il n'y en a pas à me récupérer. La durée. La durée aussi de... Bon, bah vas-y, j'abandonne, laissez-moi crever. Beaucoup plus courte. Oh, merci. Merci, parce que putain, c'était... Pourquoi j'ai fait l'impression d'escouade ? Je suis con. Oh non, je suis con. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Merde. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Je suis loin, je suis à peu près tombé sur eux, donc. Merde. Non, du coup, hop, on est sur eux. Tac. Alors, on va prendre ça, là. On va ramasser des munitions. Tiens, je passe les soldats 1. Tu vois, il y a un mec qui tombe. It's raining men. Alléluia, it's raining men. Pardon. Bon, d'accord, j'arrête de chanter. Super, ok. Calme. Il est où le gadget, là? Ah putain, merde, c'est chiant. Attends, qui a shooté comme un cake, là? Wouah, petit bâtard. Ah! Dis-moi que sa grenade a touché. Non, la grenade n'est pas touchée. Ah, ah, merci. Merci, médic. Waouh, j'ai fait un drift sur 18 km à peu près. Out. Putain, j'ai pas vu. Non, c'est pas ça. Là, tac. Est-ce que c'est un médic là? Oh non, il s'est fait buter le médic. Et ça, et c'est passé quoi là? Je suis remords. Ça, je suis pas tout à fait sûr de mon coup, là, je me demande si je suis mort stupide et trop tard. Trop tard, il s'est passé quelque chose. Et voilà, premier bug de la soirée. Non, ça y est, c'est bon. Putain, il m'avait laissé dans ma merde, là. Touché, mais pas assez. Waouh. Attention les gars, ça shoot. C'est soigné. Hop, un sniper. Un plus. Oh non! C'est pas vrai! Qu'est-ce qui lui restait comme vie? Je sais pas. Le témoin à côté, le témoin à côté. Bon, c'est pas grave. Allons-y. Alors, l'objectif ici est perdu. On a quand même deux avions dispo là. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de régler les commandes vite fait? Ça pourrait avoir le coup un peu. Option. Assignation des touches. Pilot. Alors, accélérer. Certainement pas. Dans quel est le menu commande? D'accord, je veux. Non, je veux. Touche soldat, on s'en fout. Touche conducteur de véhicule. Transport. Touche pilote. Vétéran, gaucher. Non, en fait, je m'en fous, je veux que. Merde, personne, merci. Voilà. Là, je manette. Non, c'est pas ça. Du coup, je veux pouvoir régler mes jolies petites commandes ici. Alors, accélérer. Accélérer, moi, je accélère avec ça. Ouais, mais même pas. Je ralentis avec ça aussi. Lacet. Le lacet. Hop. Ouais. Attends, lacet. Oui, lacet. Le lacet à droite, lacet à gauche. Le tangage vers le haut. Qu'est-ce qu'il me fait? Mais non! Voilà. Roulis à droite, roulis à gauche. On est bon. Regardez en haut. Regardez en haut. Mais comment ça, regarder en haut? Mais du coup, c'est en doublon là. Vue libre, rien. Ça doit être ça du coup. Tac, 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 tac. Tada! Libre vue arrière, j'ai plutôt envie de faire ça moi. Clac. Ouais, pof pof. Signal du danger, comme rose maintenir, d'accord, ok. Sortir du véhicule, négatignette, je vais prendre ça. Changer de place. Changer de place, changer de place, je sais pas, on va mettre vers l'arrière. On servira pas toujours. Activer la chance en full, carte entière, oui, ça c'est bon. Zoom sur mini-carte, on s'en fout complètement. Score, on s'en balait quand on est là. Caméra poursuite. C, on va le laisser comme ça. Tirer. Donc du coup non, moi c'est ça que je fais pour tirer.
Zoom, on peut mettre juste ça, ça me suffira. Changer d'arme, oui. Alors du coup, est-ce qu'on va peut-être pas... C'était quoi changer de sortir du véhicule ça? Donc ouais non, on va faire changer sortir du véhicule, on va prendre ce truc-là, voilà. Changer d'arme, arme secondaire, arme, équipement, équipement 2, auto-réparation avec du LB. Ok, left button et ça, d'accord, ok, soit. Allez, on est parti, ça me semble pas mal. Est-ce qu'il reste des avions maintenant que j'ai fait tout ce bordel? 3. Bah écoute, il reste 3 avions. Comment te dire? On va essayer de s'amuser avec ça. Déployer, et du coup, on va aller sur, je sais pas, sur A par exemple. Alors C, on change de vue. Ok. Ça, avec ça, je zoome. Oh non, c'est juste ça pour zoomer. Ok, d'accord. Bon, on va bien voir. D'accord, donc déjà il y a des problèmes là. C'est pas ce que j'ai demandé. C'est pas ce que j'ai demandé. C'est pas ce que j'ai demandé, je te dis. Jean-Claude, je te dis que c'est pas ça que je t'ai demandé. Option. Assignation des touches. Pilote. Le tangage. Au bas, là c'est le roulis. Le roulis. Left. D'accord. Ok, autant pour moi. Ouais, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Ah! J'arrive! Je me dépêche, 3, 2, 1, putain, merde, allez vous faire fou. Je crois qu'il en restait les avions. Ah, il restait. Allez, on est reparti mon kiki, roule ma poule. Allez, on va essayer d'attaquer la B. Sur B, on est en train de le perdre à vitesse grand V. Putain, on l'a perdu super vite sur B, c'est fou ça. Allez, on va aller voir ça. Pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Alors, B, il est où B? Pourquoi je l'ai perdu? Ah merde! Je suis passé au-dessus, je suis pas fait exprès. D'accord, comment je change d'arme là-dessus? J'ai rien d'autre, d'accord. Alors, on est parti. Où est B? Je ne le vois pas. Où est B? On a A qui est là, B est là. Ok. Appuyez pour vous débarrasser des états critiques et récupérer un peu de santé. Waouh, il y a un avion qui me tourne, autour, on dirait. D'accord, ça se passe pas bien là. Comment je reviens à la base? Oh putain, oh putain, oh putain de merde. Ah ouais, le mec il accroche quoi. Comment c'est possible, putain? D'où il m'accroche, lui? Pas vrai, ça! La vache! Le mec est bon! Nom de Dieu! Bon, on va revenir au sol, hein. D'habitude, j'aime bien les avions, mais dans BF, j'ai toujours détesté les avions. Ça, c'est incroyable. J'ai trouvé les commandes très mal faites. Bon, visiblement, ça ne change pas. Allez, reste en vie, garçon. Je te préviens. Ce serait bien que tu restes en vie. En vrai. Ah si, je me déplace quand même. Hein, quand j'ai l'impression quand même que je me déplace alors que je ne devrais pas. Ouais, plus ou moins, pas trop. Ça va. Mieux. Comment je lui file de la sorte? Attendez, je comprends. Comment je file de la santé aux gens là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je me souviens que j'avais galéré pour trouver dans le jeu au départ, dans la bêta, pardon. Ah putain. C'est censé être évident normalement. T'as de la vie, t'as de la vie quoi. 3. 3, non, 2. Donc de 1, 2, 3, 4, c'est mon lance-grenade. Et à 3, j'aurais pu pouvoir. Je comprends pas. Ah, je vous avoue que je pige pas bien là. Je pige pas pourquoi je peux pas relancer un truc. Ou alors faut que je le heal comme ça, c'est ça? Ah oui, d'accord, faut que je le heal en lui lançant dessus directement parce qu'il en a besoin. Ça me semble un peu compliqué, j'avoue. Oh, il y a un V1 qui tombe là.
pas grand chose là-dedans. Merde. Ah oui, forcément, si les mecs réussissent, ils nous percutent directement comme ça, là, ça va pas le faire. Il reste des gens? Non, il reste plus personne. Si, vas-y, bute-le. Il est derrière toi! Il est derrière toi! Ça se passe mal. Donc D, ça y est, on l'a perdu, c'est la loose. Oh, je l'ai un peu abîmé, sait-on jamais, s'il se fait descendre j'aurai des points. Alors. Ah, il y a encore un V1 qui va nous tomber sur le coin de la gueule. C'est super. Seigneur, c'est comment? C'est quoi? C'est V? Non, c'est B. Avec B, voilà. 41 000, 2400. B, maintenir. 16 000 points. Ça, c'est quoi? Attends, mais c'est... Non, mais c'est quoi que je demande? Ah, c'est du ravitaillement. Non, je veux pas du ravitaillement. Ça me servira pas à grand chose du ravitaillement là tout de suite. Allez, go Delta. Quoique là, on a un verre qui nous tombe dessus. Alors. Visiblement, je prends pas le point. Il y a du monde. Là. C'est fait. Voilà, on va se prendre. Oula. Ouah, 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 qu'est-ce qui se passe là? Oh, c'est un copain. N'y va pas. Allez, D en dessus, là, on est bien là. On va prendre de la mune. Parce que voilà, on a gagné. Eh ben, je vous avoue que c'est de la chatte et que c'est pas grâce à moi. Mais bon. Alors, on va essayer de faire en sorte que la prochaine partie soit quand même un peu plus intéressante. Parce que là, il y a eu beaucoup de tâtonnements, il y avait de la... Il y avait du réglage de commande, etc., etc. Je vais baisser un peu le son du jeu, par contre, excusez-moi. Parce que je ne m'entends... Je m'entends plus gueuler. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, mixeur de volume, ça je m'en fous, on peut fermer. Battlefield, on va baisser un peu le son, clac. Alors, Stein niveau 1, ok, cool. C'est chouette. Votre escouade, ça c'est mon escouade. Ok, bah c'est super. C'est super. On va aller grandement loin. Spécification 4 sur 4. Pourquoi elle est déjà spécifiée, ma Stein là? C'est étonnant. Spécialisé, remplacer arme. Ah, c'est comme de la merde. Oh, c'est de la grosse merde. Par contre, elle a une plus grosse cadence de tir. Ah oui, une grosse cadence de tir. Ok. Modifier l'apparence. Couvre-chef. Hades. Oh, on est parti. Bon, bah, démerde-toi. Je veux pas savoir. Tu te débrouilles. Bon. Mais Ah, d'accord. Parce que j'avais pas démarré encore. Capturer les objectifs. Allons sur D alors. Qui nous tire dessus avec quoi là? Qu'est-ce que j'ai fait? F. Ah merde! J'ai quoi de bouton? Pardon! Excusez-moi! Magouré! C'est E. Là avec E je change d'arme. Donc là on a quoi? On va avoir du gros canon. Il y a déjà des mecs qui sont déjà sur E. Super. Sur D. Comment les mecs ont fait pour arriver aussi vite? C'est impressionnant. Alors la question c'est, est-ce que je vais réussir à passer le pont là? Enfin le pont, la flotte quoi. Est-ce que je vais crever comme une merde avec mon truc ou... Nous avons subi une perte. Plus d'échecs mèneront à la défaite. D'accord. Il est pas dégueu... Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quoi? Il se passe quoi? Il se passe des choses bizarres.
On peut rouler un peu plus vite là ou en faisant shift? Qu'est-ce qui se passe en faisant shift? On va plus vite? On n'y va pas plus vite? Il y avait un char là, attends. Petit shoot, par quoi comme... Si, il y a un char là. Je le vois plus, mais il y a un char. Touché. Not enough. Merde, il s'est barré ce con. Comment je répare? X. Avec X on répare toujours. Le véhicule que là c'est pas à nous là. Oh bordel, il en reste encore. Mais putain, on se barre de là. On va se mettre à l'abri. Voilà, clac, ici on est à l'abri. On répare. Oh, ça a mal se passer ça. Il m'a vu ou pas? Oui, il m'a vu! Ah, je lui ai passé dessous, dis donc. Oh merde! C'était du grand n'importe quoi ce truc de char. J'ai rien compris. Tout se passe bien. Allez, on est en train de perdre. Ah, on y retourne. Alors, où sont les gadgets là? Je suis quand même en train de le perdre. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'il est? Oh putain. J'ai beaucoup de chat. T'es armé comment toi? On peut en prendre? Le Smurring Vir machin là? Ok, merci pour les munes. Ah par contre, il est en format balance mon... Ok, donc avec ça je me heal. D'accord. Ah, c'est méchant dans le coin. Merde. 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 Soldat 2. Wouh. Ça c'est fait. Commence bien. Il est où? Il est au-dessus, c'est ça? Plutôt au-dessus. Ah merde, pourquoi je le voyais? Ah, il est un culipin en fait. Ah merde! Krumpf! Non? Bon, pas grave. On va se lasser mais rire. Un peu d'eau. Ah, il est mort, pas de bol. Ah. Oh, c'est rigolo ça comme point de spawn. C'est pas mal ça. Bonjour. Ça c'est beau ça. Il va falloir que je regarde vite fait, mais il y a un truc qui me plaît pas. C'est sûr. Finalement, c'est sûr. Pas ça, c'est pas ça. C'est une directement de commande. Sprint, maintenir, voilà. C'est mieux.
Mouche better. Comme ça, je maîtrise un peu plus les courses que je fais. Normalement, si je dis pas de bêtises, avec quoi je fais ça? Oh, hop. D'accord, que normalement, si je fais ça, je devrais faire ça. C'est bizarre, pourquoi je m'incline pas? Il est où? Il est là. Il y en a un qui est là, peut-être que son pote. Ah, où est-ce qu'il est? Ah! Et merde! Et merde, et merde, et merde! On va se laisser mourir. Ah, puis il arrive tout de suite là. Reste en vie 3, 2, reste en vie, reste en vie, reste en vie, reste en vie, reste en vie. Non, c'est un copain, ouf. Ok, il y a un mec qui traîne là-haut là. D'accord, on a fait les trous. C'était intéressant comme trou. Waouh. Il y avait un truc, dernier machin en vie là. Allez, on va au prochain là. C'est quoi le plus proche? Le plus proche, c'est eux. Et quoi là, on nage, on peut passer en dessous? On peut nager en dessous. Oula, c'est bizarre. Là, je m'en automatiquement, d'accord. Donc, faut maintenir ce truc là si je veux nager sous l'eau et pas me faire gauler quoi. Ah, c'est pas dégueu, hein. Bien sûr, c'est quoi là? Ouf. Qu'est-ce qu'il y a des mecs qui traînent là? Quoi qui gueule là? Ils sont sur le pont ou ils sont là, les mecs? Je pense qu'ils sont sur le pont et je vais avoir du mal à les récupérer en fait. Est-ce qu'on peut prendre sur le côté du pont ou pas là? On peut grimper ici? Non, que chi, on peut les que dalle, on peut s'asseoir dessus. Et j'ai plus de grenades, donc je peux même pas aller m'amuser et leur balancer sur le coin de la gueule. Et je me suis fait mal. Hop. Allez, on va se prendre eux. Il était où ce con? Juste derrière moi? Non. Quand même pas? Ah, Médic, super, merci Médic. Great. Comment gère l'allongement aussi? On peut faire comme. Et ça, on se retourne. Ouais, ça c'est pas mal, j'aime bien ce truc là. Un petit détail fun, j'aime bien. Oh! Essayer de retenir parce que c'est quand même Médic. Ah non, il l'a eu. On va se laisser mourir alors. Oh, j'ai craqué, ça fait du bien. On était sûr qu'on était sur eux. On va le retourner le chercher. Merde, j'ai plus. Oh putain, il y en avait un deuxième. Je l'ai pas vu. Il était où? Il était à gauche. Ok. Bon, ce qui est logique, hein. Sinon, on revient à plusieurs. Attends, peut-être. Blood! Ouais, GG mec. Non, pas GG mec. Mais attends, par contre, je viens de comprendre que si le mec il essaie de te healer et que tu meurs en cours de route, tu meurs définitivement. C'est un peu moche en fait ça. Grimpe. Allez, putain. Très moche ça. C'est bon, c'est un collègue. Bon, F c'est bon, ok.
Non, ça a pas l'air si bien que ça en fait. Qui shoot comme ça, comme un cake sur nous? Y'a quoi, y'a un véhicule là? C'est quoi qui nous allume comme ça là? Regarde, y'a un truc qui pète la gueule un peu là. Il est où ce con? Je vois plus rien. D'accord, donc y'a un mec qui se barre en moto là, en mode je me casse. Ok, allez, on va aller chercher eux. Bon. Bah assez rapidement comme ça, là j'ai l'impression qu'on récupère quand même pas mal de mécaniques de BF1. Ce qui est bien. Ce qui est très bien. Scheiße. Attends, y'a un médicament, un médicament, c'est un bouton là pour être. Ah, ça va être dur. Bon, ça va, c'est mort. Mister Xav? Mais c'est pas Mister Xav, ce serait pas Mister MV par hasard. Il est où? Est-ce qu'il a démarré? Je pars démarrer sur lui? Bah si! Voilà! Allez, on est parti, c'est mon garçon, c'est... Beaucoup de monde là. Beaucoup de monde. On les laisse passer, on arrivera dans leur dos. Ok, ça c'est fait. Ok, next. Où sont les autres là? Ils sont passés. Oh putain, ça va se passer. Oh putain, mais pourquoi j'avance aussi? Je suis con, moi. Ça c'est le réflexe de BF, alors que dans n'importe quel autre jeu, je me serais arrêté. Là, réflexe BF, j'avance. C'est débile. C'est particulièrement débile. Ah, il y a un mec qui traîne sur eux. Ah non. Ah, que nenni. Ah, ça c'est fait, je vais chercher l'autre. Reste en vie. Ouais, ça c'est bon. Oh putain. Ah putain. Dis-moi qu'il l'a eu. Non, il l'a pas eu du tout. Non, on va crever. Ah. On va crever, vite. 3 secondes, 2, 1, E. Yes. Ah. J'ai pris une snipeuse dans la queue. Help me. Oui, c'est fait la télé gueule, c'est pas la peine. Oh, ça m'énerve d'entendre les Dichterbeux là. Attends, par contre, on va faire un truc. Squad. Là, c'est moi le chef des squads. Oui, je peux la. Voilà, squad public. Non. Voilà, Gaston. Du coup, on va causer dans le chat. Équipe. Join. Putain, je suis mis dans quoi? Gaston. Join Gaston. To go to bigger squad. Il y a un mec qui traîne quelque part là. Das wird dir helfen, Soldat. Das wird Anja. Oh putain, je ne l'ai pas vu. Je l'ai entendu et je ne l'ai pas vu du tout. Je vais voir un peu sur le truc là. Ah ouais, la vache. Bien joué. C'était chaud là.
pour cet camarade. Attends-nous. Mais attends-nous, mais il est con ou quoi lui? Mais quel crétin. Bon, est-ce qu'il est parti, camarade, là? Gossé, du coup. Non. Putain! C'est long. Super long, dis donc, pour y arriver, là. Ah, ça m'énerve, les putains, les... Ah, les mecs qui font des bons, là. Espèce de petit lapin de garenne. Merde. Fuck, il est mort. On oublie la reine. On était sur quoi? C'était quoi l'ordre que j'avais donné? C'est... Là, on perdait. Hop. Yes. On va essayer de reprendre D, du coup. Il est où, D? Il est où, D? Je suis dessus, mais il est où? Il est là. Donc, il y a un mec sûrement avec moi. Ah non, je suis pas tout seul là. Il est grand le marais. Oh putain, il y a un tank. Oh, faut pas le crever là. Oh putain, 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 oh putain. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, les mecs ils nous tournent autour là. Qui c'est qui parle en français là, alors qu'on était en allemand? Oh, on est dans la merde, on a un Panzer, on peut rien faire. Il y a un V1 qui nous peut attaquer. Oh, attends, un V1. B. Est-ce que je peux faire 20 000 points? Est-ce que je peux faire un truc avec le B1? Non, je peux rien faire. Il y a du matériel quelque part, on peut choper quelque chose ou pas là? Ah, on va se faire baiser, hein. Rayon franc. Ah, il y a un mec qui est venu avec son anti-char, parfait. On va lui désigner tout ça. Ah, j'ai pas réussi à avoir le mec. C'est dommage. J'aurais vraiment aimé. J'aurais vraiment aimé avoir le gadget qui était là. Peut-être demander de l'aide. Je suis devant toi. Je suis juste derrière toi. Tu me marches sur les couilles. Tu me marches sur les couilles. Voilà, merci. Ah non, il m'a achevé. Bon, d'accord. Où est-ce qu'on est, nous? Il est à nous. Ouais, ça c'est B. Je crois qu'on perd B en plus. C'est moche. Vas-y, go. Ah là. Où est le mec qui shoot là? Où est le mec qui shoot? Où est le mec qui shoot? C'est en vie. Ah, c'était une meuf. Waouh! Non, c'est à nous ça. Et le mec est encore en vie ou pas là, là-haut? Comment ça se passe? Non, c'est bon, il est mort. Autant pour moi! Tiens, t'as peut-être besoin de ça, je sais pas si. Ça se passe bien. Wouah, ça shoot! Sa mère, les popettes! Non, c'est pas ça que je vais faire, c'est lui que je vais aider. Pas lui aider? Bon, d'accord. Ouais, vas-y, non, je ne crampe pas. Où est mon camarade à moi? Il est là. B, on le perd, on est reparti. Bon, honnêtement, voilà, après quelques bonnes grosses minutes de jeu, très sincèrement, on est quand même très proche du BF1. Ma copine qui me parle. Oh merde. J'ai rien prêt. Préparé, mais je peux si tu veux. Clac. Allons-y. Qu'est-ce que j'ai mis comme... Pourquoi je suis là en fait? Qu'est-ce que j'ai foutu? B est au-dessus. Ah bah oui, B est au-dessus en fait. Je suis une vraie brêle. Où est-ce qu'il est? Il était où? Il était en bas, ouais, c'est bien ça.
Il y a quelqu'un à côté ou pas? Il y a personne à côté, moi, je peux pas. Alors, est-ce qu'il va falloir que j'aille faire un peu de cuisine pour sauver ma copine? Non, bah j'arrive, là je ferai moi-même. Ah bah oui, mais bon, j'étais en silencieux, je suis désolé. Attends de finir la partie. Hop, on dit qu'on a dans le camp de route. Est-ce qu'on est là? Il y a un mec derrière, je crois, là. Je l'ai eu. Ouf, vas-y, aide-moi. Merci. Je vais faire un petit tir de suppresse là, hop. Merde. On peut passer sur le côté là, on peut pas sur le côté a priori. C'est marrant ce petit pont incliné là, c'est rigolo comme truc. Ah, y'a un camarade. Stay alive. Stay alive, dude. Là-bas, y'a un mec là. On va voir ce qui se passe. C'est bon, ils sont tous morts. On a tous crevé. Il y a un mec qui est mort. Attends, on va le chercher aussi si on peut là. Ah 3 médics autour là. Qui shoot. Oh putain, là-bas. On va aller le faire chier. Je sais pas s'il est encore là le bonhomme. Ah, c'est bon, il était out. Il y en a un B1 qui va nous tomber sur le coin de la gueule. Enfin, un V1, pardon. Où est mon camarade? Il est là-bas. Il est à 100 et quelques mètres. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouch! Qui? Putain, on a reperdu B déjà, c'est moche. Go F. Ah, on a un char là qui est pas à nous. Voilà, tac. Ça, ça pue. Ça fait. Ah, merde! Allez, tue-le, Mr. Xav, tue-le! Bravo! Viens me chercher maintenant, si tu peux. Mais je crois qu'il est mort. Ah, on gagne, on perd? On perd. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Bon, on retournera sur BF un peu plus tard. Je vais faire un petit break, effectivement, si ma copine arrive, hein, le temps d'un petit breakouille, voir si on revient après dessus. Ok. Le temps. Clac, clac, clac. J'aimerais peut-être faire une petite partie tout à l'heure. Bon, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Je pense que je mettrai cette vidéo en rediffusion probablement demain, histoire de, parce qu'il y a quand même des choses à en dire sur ce jeu. Il est pas dégueu, je sais pas encore tout de suite très concrètement. Attends, je peux quitter ou pas là? Quitter. Quitter, tout court. Je vais pas quitter avec les squads, je sais pas qui est ce monsieur et je voudrais pas forcément l'empêcher, je voudrais pas forcément qu'il quitte alors qu'il n'ait pas forcément envie de le faire. Donc, il y a des choses à dire sur ce jeu, il y a des trucs très cons, voilà, cette sélection des squads, là, qui, enfin, les squads quand tu arrives, qui est forcément par défaut fermé, que je trouve extrêmement débile. Médicalement, ça se passe mieux, on se retrouve avec un jeu qui est quand même bien dynamique, fluide, vraiment, au style de BF. Les armes, j'ai pas encore le temps de regarder un petit peu comment ça a été développé, il faudrait qu'on regarde ça. Probablement demain sur la prochaine vidéo. Quoi d'autre? Je l'ai trouvé pas si moche. Pareil, comme dans la bêta, j'ai désactivé tout ce qui était le grain, le filtre, le vignettage, le grain, l'effet film, machin, etc. Que je trouve moche à chier, mais ça c'est très perso. Le jeu est beau, pourquoi le gâcher avec, en mettant du grain par-dessus? Bah, typiquement, je vois pas l'intérêt. Enfin bref. Sinon il est rapide, le niveau du heal qui était un très très gros problème, le revive était un très très gros problème pour moi dans la bêta, puis donc j'expliquais tout à l'heure, dans la bêta, si le mec était perpendiculaire à toi, il avait les pieds qui étaient dehors et tout le reste qui était caché, si tu te mettais devant lui, en fait tu t'alignais d'une manière un peu bizarre et tu pouvais t'aligner devant lui et être complètement à découvert, donc, ce qui était con parce que du coup tu healais plus quoi. Aujourd'hui ça m'a l'air un petit peu mieux, tu restes quand même du côté où le bonhomme il est, t'as un espèce de
petit anime qui t'aligne un petit peu, mais visiblement tu sors pas plus trop la tête que ça. Donc ça m'a l'air pas trop mal à tester dans des situations un peu plus confinées. C'est dynamique, c'est fun, les armes ont une bonne petite pêche. Il m'a l'air quand même bien touffu, tout ce qui est les arbres, etc. Machin. J'ai vu beaucoup de destruction de bâtiments. Un peu plus poussé, je trouve, que dans BF1, le moteur Frostbite fait son effet. À voir. Je sais pas si je les relancerai ce soir le jeu, mais en tout cas, je relancerai le jeu demain, ça c'est clair, pour ces 10 heures de gratuité, là, grâce à, enfin, de gratuité de preview, de démo, de bêta, de ce que vous voulez, non pas de bêta aujourd'hui, mais de démo avant les autres, grâce au EA Access. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et éventuellement une très bonne journée pour ceux qui verront cette rediffusion. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Ciao.